Bonjour, deuxième vidéo sur la calculatrice et les stats en secondes. Cette fois, nous allons voir comment utiliser la calculatrice pour obtenir les indicateurs statistiques d'un tableau qui contiendrait deux colonnes, une colonne avec les poids en kilogrammes par exemple pour des cartables et une autre colonne sur tous les effectifs. Petit rappel, ce tableau veut dire qu'il y a par exemple 5 élèves ou 5 personnes qui ont répondu avoir un cartable qui pèse 5 kg. C'est-à-dire que c'est un moyen de regrouper les données dans un tableau plutôt que d'écrire beaucoup beaucoup de données. Reprenons la calculatrice. Dans le menu Statistiques, en appuyant sur le 2 ici, vous retrouvez notre petit tableau habituel. Donc je vais recopier rapidement dans les premières colonnes le tableau de valeurs qui est là. Et ensuite, nous allons voir que c'est quasiment la même chose que pour le premier cas. Pour le calcul, mais avec un petit réglage différent. Quand votre tableau est recopié, vous devez aller dans Calque, toujours avec le bouton F2, et dans les Settings ici, avec F6 pour aller sur les Settings, vous devez changer cette ligne ici. Un var frec, ça veut dire en fait, il faut préciser à la calculatrice quels sont les effectifs. Là, les effectifs ne sont pas de 1, mais ils sont placés dans la liste numéro 2. Donc, vous allez aller ici, vous allez lui dire liste. Et choisir le numéro 2 et faire entrer. Tout simplement. Et maintenant, vous allez lui dire, comme tout à l'heure sur la première vidéo, de calculer les stats à une variable. Vous obtenez du coup, encore une fois, la moyenne, 6,3 kg, le nombre d'élèves interrogés, 48, et vous trouvez le minimum, le maximum, les quartiles et la médiane. Attention à remettre la calculatrice correctement pour la prochaine utilisation. Fin.